Lucky. Bonjour. Devine qui va faire du shopping aujourd'hui. Quoi, quoi, quoi? Bonjour. Tu nous as beaucoup manqué. Dis bonjour. Dorian a bien grandi. Il vient d'avoir 3 mois. Il est temps de lui acheter un tapis d'éveil pour apprendre. Tu veux des jouets pour jouer, Dorian? Sautons dans le magasin de jouets, oui! Dorian, regarde! C'est un magasin où l'on trouve tout pour les petits. Maria, attends-moi! Lucky! Quoi, quoi, quoi? Saute par ici! Saute, saute! Dans le panier, ne tombe pas! C'est parti! Toutes ces tétines! Dorian en a une aussi! Comme celle-ci! Il est inscrit 0-6 mois. Elle est pour les bébés jusqu'à l'âge de 6 mois. Waouh ! Regarde toutes ces voitures ! Tu peux conduire l'Audi et maman peut conduire la Peugeot. Mais où sont les jouets pour bébés ? Les voitures, c'est bien, mais les carottes, c'est mieux. Prenons-lui une carotte. Tu veux? Regarde, Dorian. Une carotte. Maria, je vais t'aider. Dorian bave. Peut-être que ses dents commencent à sortir. Et comme je suis super gentille, je vais lui acheter aussi une poire. Et une citrouille. Et un petit ananas. C'est parti! Regarde tous les fruits que j'ai pris. Lucky, nous ne sommes pas venus ici pour t'acheter des jouets. Mais des jouets pour les petits bébés. Il nous faut un tapis d'éveil pour Dorian. J'aime bien les petits bébés éveillés. Regarde ces animaux. Allons vite à la caisse. J'ai hâte de monter le tapis d'éveil et de le donner à Dorian. Lucky, je vais mettre Dorian dans son siège auto et je vais te montrer. Il faut tout sortir de la boîte. Un lion, un panda, un éléphant, un autre petit lion. Le tapis est très doux. Fais attention à ne pas t'endormir dessus, Dorian. Des anneaux, décoration d'oreilles. Je suis tout beau. Est-ce que je suis beau? Et voici un miroir de sécurité pour les bébés. Regarde, tu es beau? Oh, quelle beauté! Pour monter le tapis d'éveil, nous avons besoin de 2 arches. Mettons-les comme ça, croisons-les. Et il y a ces petits clips à chaque coin du tapis d'éveil. Lucky! Combien de coins a un carré?
Dorian, aide-moi. 1, 2, 3, 4. Deux clipsés. Il en reste deux. Tu me chatouilles. Pour attacher les jouets, il me faut un anneau. Si ça ne te dérange pas. Un zèbre. Dorian, allons-y. Allons voir le zèbre. Mais d'abord, accrochons le panda et le toucan. Bim bam! Est-ce que le bébé peut le faire? Pas encore, bien sûr. Mais bientôt, il va apprendre à saisir avec ses mains et ses pieds. Regarde, je vais te montrer le zèbre maintenant. Il se débrouille bien. Regarde, le panda bouge. Il l'a vu. Tu es si éveillé, même si tu n'as que 3 mois. Dorian joue super bien. Minimi a besoin d'un tapis d'éveil comme ça. Minimi, te voilà. Je vais te faire un tapis d'éveil pour toi aussi. Il faut qu'il soit doux. Oh, c'est très doux. Je me coucherai bien dessus, mais c'est pour Minimi. Maintenant, les jouets. Oh, des ours en peluche. Des grands et des petits. Un cylindre et un cube. Hé, Mini Lucky, quelle est ta couleur préférée? Le jaune, le bleu ou le rose? Compris, rose. Enfile-le. Torsade-le. Enroule et torsade. Et attache-le comme ça. Maintenant, les ours en peluche. Bébé ours et maman ours ou papa ours. C'est une tour d'ours en peluche. Bien joué, Minimi. Tu joues avec tous les jouets. Et tu suis les ours du regard. Lucky, c'est super beau. Maintenant, nos deux petits vont jouer des heures et s'éveiller. Tes poupons ont-ils leur propre petit tapis d'éveil? Tu peux en fabriquer un toi-même. Ou demande à ta maman de retrouver ton tapis quand tu étais petit. À bientôt dans un nouvel épisode, Une maman pour Lucky. Au revoir.